Bonjour chers adeptes, la dernière fois je vous ai demandé quelle était la meilleure réplique de Marc Asselineau et voici celle que vous m'avez envoyée. Cependant, vous apercevrez qu'à Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui en feront la demande. Attends, c'est moi ou Dumbledore, il vient de voir Harry sous sa cape d'invisibilité? Mais la théorie comme quoi Dumbledore est la mort, tout cela n'est qu'une vaste fumisterie! Ou tout cela se passe-t-il dans ma tête? Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Pourquoi ça signifierait que ce n'est pas réel? Je crois que tu t'es trompé de personne, mec. Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, à big ball. Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire, style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi je les baise, moi, les ménagères, non? C'est pas vrai? C'est vrai que ces ultimes mecs ont l'air très broken, surtout face aux mamans ménagères qui dominent la méta actuelle. Attendez. Oui? Oh, d'accord. D'accord, je relaye l'information. Un attendu direct vient de commencer. On va voir ça ensemble. L'étoile noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Oh, nous mettre à Pierre Hatté. Ah bah ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui, hein. Et pourquoi, à votre avis? Pierre Hatté est né le 20 avril 1930 à Auffay, dans le nord du Nord. Apparemment, tous les doubleurs se sont donné le mot pour ne pas naître dans le Sud. Durant sa jeunesse, il va fortement s'intéresser à l'agriculture. Non, au théâtre, bien sûr. On est dans Super Doubleur Ultimate, pas dans Super Farmer Ultimate, que je sache. Dans sa promotion, il y aura Jean-Paul Roussillon, Annie Girardot, Jacques Pierre et Jacques Ruisseau. Moi non plus, je les connais pas, mais il fallait que je vous le dise. Ensuite, il entrera dans le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, le CNSAPDQ. C'est très très impressionnant. Y. Ah oui, 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 oui. À cette époque, Jean Villard, un grand ponte dans le monde du théâtre pour faire court, le remarque et le fait entrer dans le monde du théâtre classique. Pierre Hatté jouera de 1953 à 2002 dans 45 tournois de théâtre différents et c'est vraiment pas mal. Puis un jour, une personne lui posera cette question. As-tu vu, canaille ? Non, plutôt celle-ci. Et puis un jour, Jenny me téléphone en me disant « Mais est-ce que vous avez fait du doublage ?» Je dis « Ah non, je n'y connais personne sauf vous. » Bah, venez, je vais vous donner une scène, vous allez me la doubler. J'arrive là-bas, et je vois un Mexicain qui court comme un dératé en traversant le cours et qui tombe entre les bras d'un complice de l'autre côté de la cour. Alors je fais ça, un potin épouvantable de coups de feu, donc c'était pas la peine de jouer la respiration. Mais sinon, on n'entendra pas. Je suis sur bas, et là, je tombe dans les bras de ce monsieur et je fais. Suite à cela, il commencera sa carrière dans le doublage dans les années 40 avec le film Le Cygne Noir. Non, pas celui-là, celui de Henry King, voyons. Voilà, celui-là. Mais son succès et ses pouvoirs, il les doit à une personne. Vous souvenez-vous d'un certain Jacques Ruisseau? C'était son pote de promotion quand il était au théâtre. À l'époque, il était l'assistant d'un certain Serge Luguen. Luguen, je sais pas comment on le prononce, qui était le directeur artistique d'une série, mais pas n'importe laquelle. Jacques a dit à Serge que Pierre Hatté devait doubler le rôle titre de cette série, mettant en scène un certain Joe Mannix, un enquêteur travaillant pour la société de sécurité et de renseignement Intertect, un genre de MI6 ou de CIA quoi. Pierre Hatté doublera donc ce personnage de 1969 à 75 et sera remplacé plus tard. Il doublera pas mal de rôles secondaires dans des films du genre Le Facteur sonne deux jours deux fois? Encore ce film? Ah, attendez. Celui-là, c'est celui de 1981, il me semble. Ce film sonnera-t-il deux fois dans la vidéo? Restez jusqu'à la fin pour le savoir. Mais aussi des rôles secondaires dans Les Guerres de l'Étoile, Star Wars et E.T. Pourvu qu'il fasse pas un remake ou une suite à E.T. Pourvu qu'il fasse pas un remake ou une suite à E.T. Pendant un an, de 82 à 83, il doublera Gomez dans ce dessin animé. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Ouais. Moi, je suis plus Albator 84, et encore, c'est pas du tout de ma génération. Quelques années plus tard, il doublera de nouveau l'acteur qu'il a doublé dans Le Facteur sonne toujours deux fois. Je vous l'avais dit. Dans une trilogie qui marquera l'histoire du cinéma et de la pop culture. Mmh.
chers adeptes, c'est lui qui double Doc dans Retour vers le futur. À partir de ce moment-là, Pierre Attey va devenir complètement cinglé, décrivant l'acteur ainsi que le personnage comme complètement fou. D'accord. Alors, que pensez-vous de l'acteur Christopher Lloyd? Est-ce qu'il vous a parfois étonné dans sa manière de jouer? Ah, il est étonnant. Il a de la folie. Il a de la folie comme acteur. Et ce qui est formidable, c'est qu'il maîtrise sa folie. Parce que quand vous êtes fou, vous avez de la folie, vous ne maîtrisez pas, vous avez des débordements, on ne peut pas vous canaliser dans un personnage. Vous faites n'importe quoi. Lui, il est fou. Ah. Il a de la folie et il maîtrise sa folie. C'est ça qui est formidable. Oui, ça c'est sûr. Et encore, ce n'est pas fini. Quel est l'autre personnage qu'il a doublé, qui est considéré comme le plus fou, qui a un ennemi justicier qui s'habille en noir et qui sort la nuit? Pas de panique, j'ai la clé du problème. Puisque mes plaisanteries n'ont pas l'air de t'amuser beaucoup, je vais te les enfoncer dans le crâne. Oui, il double aussi le Joker. Tu m'étonnes qu'il soit devenu fou. Harley Quinzel est devenu folle rien qu'en essayant de le psychanalyser. Alors le doublé, ça revient au même. Mais ce n'est pas fini. Il a aussi doublé une souris maléfique qui veut dominer le monde. Qui a de grandes oreilles. Qui a un ami grand, mince, un peu bonné sur les bords. Et je veux bien entendu parler de Cortex. À qui pensiez-vous? Dans le dessin animé Minus et Cortex de 95 à 98. Au final, il doublera dans un total de 117 matchs. Wow. En 2002, pour l'anniversaire de Retour vers le futur, il fera la promotion du DVD au Grand Rex. Et il va se donner une petite improvisation. Merde, ça marche pas. Bon. Alors, il est très peu probable que je trouve un extrait de cet événement. Parce que comme c'était en 2002, je vous le rappelle, la meilleure caméra amateur ou le meilleur téléphone portable qu'on avait à cette époque, et ben c'était ça. Et à moins qu'une télévision ou qu'une société ait enregistré ça avec une bonne caméra, je n'ai pas du tout d'extrait à vous montrer. Donc si jamais quelqu'un en a un, même audio, eh ben je suis preneur. Toujours en 2002, il va se faire interviewer par le site retourverslefutur.com dans laquelle il va nous raconter une petite histoire. Figurez-vous que j'ai reçu un jour une lettre d'une jeune fille de Aubonne, près de Paris. J'ai oublié son nom. Avec en cadeau une petite écharpe de soie qui m'a dit « Je connais bien Christopher Lloyd, qui m'envoie à chaque anniversaire une gerbe de roses. Vous êtes sa voix. Est-ce que vous le connaissez? Je pourrais vous le faire rencontrer. Je reçois ce courrier le jour où je partais à Athènes. Je mets ce courrier dans mon sac de voyage en me disant, arrivé à Athènes, je vais lui répondre avec une carte du musée archéologique d'Athènes, ou enfin, dans un truc intéressant, quoi. Oui. J'ai perdu le courrier. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Et elle va, voilà, une jeune fille qui m'a envoyé une lettre très chaleureuse avec un cadeau, une petite écharpe de soie. Et je ne lui ai jamais répondu. Et ça, c'est épouvantable. Ne vous en faites pas, voyons. Il rencontrera l'acteur lors de la Paris Manga en 2016. 4 ans plus tôt, en 2012, c'était la fin du monde. Et il fera la voix off d'un documentaire qui s'appelle La Revanche des Geeks. Les geeks avaient enfin un moyen de casser la baraque. Les consoles attiraient tout le monde, et personne n'avait honte de dire qu'il tripotait sa manette à longueur de journée. Il prendra sa retraite, étant pas mal âgé et assez fatigué, il en sortira néanmoins en 2017 pour l'excellent court-métrage On s'est fait doubler. Nom de Zeus ! Je trouve que vous avez bien raison de le renvoyer. Non ! Avec moi, vous aurez l'impression de faire un voyage à 88 miles à l'heure, à travers le temps. On ne veut pas de narrateur, il faut vous le dire comment ? C'est quoi cette date qui apparaît là ? Oh non, me dites pas qu'il est... Ah, oh, fais chier ! Je vais porter plainte officiellement auprès de notre ministère des Affaires étrangères. Putain, t'as raison, mec. C'est tout simplement... inacceptable. Faut que je me change les idées. Pas question d'organiser des rave-parties intergalactiques. Une rave-party ? Allez, pourquoi pas ? Puisque c'est comme ça, bah, le prochain Super Doubleur Ultimate, bah, il va se faire sur un doubleur vivant. Non ! J'ai dit vivant !
et qu'il s'avise pas à claquer dans les prochains jours. J'espère que la vidéo vous a plu, smashez le bouton like, ça me fera toujours plaisir. Quelle est selon vous sa meilleure réplique? Quel est son ultimate? J'attends votre avis dans les commentaires, et évitez de spam un peu trop au nom de Zeus, hein. Et je vous donne rendez-vous au prochain super doubleur ultimate. Voilà qui est mieux.